Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 2 de Au coin du Blu-ray. Épisode 2, donc toujours consacré aux films avec des chiffres dedans. Comme je disais la semaine dernière, j'en ai pas tant que ça dans les Blu-ray. Dernièrement, j'ai fait l'acquisition de 1917. Bon, 1917, j'ai pas besoin d'en parler, le film est extrêmement récent, donc ça n'aurait pas trop d'intérêt. J'ai également Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ou Les trois panneaux de la vengeance, je crois, en français. Enfin, je n'appellerai jamais ce film sous ce titre. Mais que j'aime beaucoup, mais dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne. Donc, pareil, ça n'aurait pas réellement d'intérêt. Mais il y a un film dont j'ai eu l'occasion de parler sur la chaîne, mais que j'avais vraiment envie de remettre en avant parce que, mine de rien, bon, déjà, j'aime beaucoup son réalisateur, mais ça, vous le savez déjà si vous suivez un petit peu la chaîne depuis quelques années, parce qu'on a déjà eu l'occasion de parler de pas mal de ses films. Mais c'est surtout un film, en fait, qui, je trouve, était une jolie prise de risque à une époque où le metteur en scène dont on va parler aurait pu aller dans une partie un peu galvaudée de son cinéma, aurait pu continuer, bon, ce qu'il fera, mais plus radicalement, un cinéma d'action un peu trop bourrin et un peu trop facile. Mais donc, entre deux Transformers, ce cher Michael Bay nous a balancé 13 Hours, qui, comme No Pain No Gain, est un film très sous-coté du réalisateur américain, alors que pourtant, ben, c'est une histoire assez forte. Ça se passe en 2012 en Libye, et on va suivre une petite base implantée en plein milieu de Benghazi, où il va y avoir plusieurs soldats qui vont se faire attaquer. Et c'est quasiment tout. Et vous vous en doutez bien, au vu du titre du film, bah, le siège va durer 13 heures. Oui, je suis perspicace parfois. Pourquoi je trouve ce film très intéressant? J'avais déjà eu l'occasion d'en parler lorsque j'avais sorti une vidéo, je crois, dessus, si je me plante pas. Faudrait vérifier. Ah, peut-être que j'étais pas encore sur YouTube à ce moment-là. Peut-être que j'avais écrit un truc sur 13 Hours. Mais je trouve que c'est un film extrêmement fort, en fait, que nous a offert Michael Bay. Au-delà d'être une œuvre qui arrive à avoir un cachet assez indéniable, au-delà d'être un film où je trouve le réalisateur s'est plutôt calmé dans sa manière de monter le film, parce que honnêtement, on va pas se voiler la face, les films de Michael Bay, quand il fait de l'action un petit peu trop bourrin, niveau esthétique, raccord, montage, c'est parfois un peu l'enfer. En témoigne le premier Transformers, que certains estiment beaucoup. Moi personnellement, je trouve le premier Transformers quasi indigeste, parce que l'histoire a beau être sympa. La séquence de fin, je me rappelle que la première fois que je l'ai vue, ça m'a fait le même effet que l'ouverture de Quantum of Solace, c'est-à-dire que j'étais persuadé que les gentils avaient perdu et qu'ils étaient morts, ce qui démontre bien à partir de ce moment-là que tu as mal monté ton film, mais pourtant ça n'avait pas empêché le film de cartonner et d'être encore aujourd'hui estimé comme étant le meilleur long métrage de la saga, alors que pour moi le meilleur long métrage de la saga reste L'Âge de l'Extinction. C'est un autre débat. En tout cas, je trouve que 13 Hours, Michael Bay a réussi à insuffler quelque chose de très particulier à son film. Je dirais pas que le film est subtil, je dirais pas que le film est élégant, je dirais pas que le film est fin. Je dirais surtout que le film arrive à aller au bout de son ambition de base, qui est de nous plonger avec ses soldats en plein dans ce siège, et surtout d'aller vraiment dans des retranchements. Je veux dire, le film dure 2 h 30, et honnêtement, il peut être un peu long. Mais parce que je sens que Michael Bay a voulu faire en sorte qu'on ressente cette longueur, qu'on soit impacté finalement par tout ce qui se passe et qu'on se dise waouh, ça prend vraiment aux tripes, je suis pas bien, je sens que le long métrage il est violent, il est dur, il est presque indigeste par instant. C'est ça en fait qui je trouve rend le film extrêmement fort, c'est que Michael Bay ne cherche pas uniquement à iconiser à fond ses héros. On sent que c'est plus son ambition. Qu'il a vraiment dépassé ça parce que pendant un temps c'était son obsession. Vous prenez Bad Boys, vous prenez ses premiers longs métrages, même vous prenez The Island, qui reste pour moi un de ses derniers films où il iconise les héros américains, même s'il commence déjà à y avoir un petit quelque chose qui critique les États-Unis. À partir d'après The Island, il va vraiment commencer à essayer de critiquer quelque chose. Il va remettre en question le rêve américain comme il a pu le concevoir dans les années 90, et même pour certains qui estime qu'il l'a érigé, il va essayer de le détrôner et de dire oui, j'ai créé ce mythe, mais aujourd'hui je suis un peu en train de me dédouaner de ça. Ce qui est un aveu, clairement, qu'il a peut-être été trop loin dans sa manière de jouer avec les rêves américains, etc. Mais dans 13 Hours, du coup, ce qu'il cherche réellement à exploiter, c'est justement ce désabus des soldats américains. Et c'est assez saisissant parce que, au travers d'un casting fait vraiment de sacrées gueules de cinoche, je veux dire, il allait choper John Krasinski par exemple, ou plein d'autres acteurs qui ont vraiment des gueules. Enfin, vous allez les voir, vous allez vous dire, punaise, comment il s'appelle celui-là? Mais si, je l'ai vu dans machin, et je sais que l'autre, il a joué dans machin. Et en prenant ces gueules-là, finalement, il arrive à jouer avec cette idée de caractère du héros américain qu'il aime bien mettre en place.
Et en plus, il se permet du coup de vraiment jouer avec toutes les attentes qu'on pourrait avoir en tant que spectateur de ce genre de récit. Et c'est ça, moi, qui me marque en fait dans 13 Hours. C'est que, ok, le film a tendance à un peu jouer le côté beauf, assumé et premier degré de l'armée américaine dans les premiers instants de son dénouement. Dans la suite de ses actions, il a tendance à beaucoup jouer avec oh, c'est les méchants, et puis ils sont vraiment très méchants, etc. Et au fur et à mesure, il déconstruit ça, et il brouille les pistes, et il commence limite à nous dire, ah, mais les Américains, ils n'ont pas merdé en fait en se pointant là-bas. Puis finalement, est-ce qu'en faisant ce siège, ils n'essayent pas d'imposer de manière un peu trop violente leur point de vue et tout ça. Enfin, c'est ça que je trouve assez fort, c'est que plus le film avance, plus la déconstruction du rêve américain va tellement dans des retranchements qu'à la fin, on va quasiment se retrouver avec un drapeau américain en train de cramer qui va tomber dans une piscine et qui ensuite va être récupéré par des Libyens. Comme s'il devait y avoir une imagerie qui va au-delà de détruire simplement ces icônes du rêve américain qu'il a pu construire à une époque. Et dans cette mécanique, Michael Bay est assez passionnant finalement comme auteur et se joue beaucoup de ce qu'on a pu attendre de lui à une certaine époque. Et c'est ça en fait qui fait que 13 Hours, comme No Pain No Gain, est un film qui joue beaucoup avec les attentes qu'on peut avoir du cinéma de Michael Bay. Et bizarrement, bon, 13 Hours a été très bien reçu par la presse. On se le dise, le film a quand même été bien admis et il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était vraiment un film impressionnant et bien mené. Mais par exemple, No Pain No Gain, je le redis, mais quand il est sorti, il s'est fait dégommer par la presse. Comme si voir Michael Bay faire de l'anti-Michael Bay, c'était incohérent. Je trouve ça un peu dommage parce que le réalisateur, ça se voit qu'il a envie de partager quelque chose, qu'il a envie de développer quelque chose de fort, et c'est comme si les gens s'en foutaient. C'est un peu triste, je trouve. Mais bon. Mais en tout cas, ouais, 13 Hours, moi je trouve c'est assez fort. En termes de bonus sur ce DVD, sur ce Blu-ray, pardon, comme souvent sur ces Blu-ray, il y a beaucoup de choses en rapport avec le tournage du film. Il y a même des bonus assez surréalistes, mais il y a l'avant-première de 13 Hours dessus. On s'en fout un peu, mais il y a l'avant-première de 13 Hours. Et sinon, c'est vraiment découvrir l'histoire vraie des soldats secrets de Benghazi, des entretiens avec le réalisateur et les acteurs. Enfin, c'est des choses assez classiques, mais c'est ça que j'aime bien dans les Blu-ray, c'est que même si c'est classique, si on est un petit peu fan de Cinoche, on s'éclate bien à se replonger là-dedans et on se dit, ouais, non, mais c'est quand même vachement intéressant. On se retrouve vraiment à se replonger dans l'histoire, on comprend finalement comment ça s'est passé. On se rend compte que le film cherche à traiter avec le plus de réalisme tout ce qui s'est déroulé durant ces 13 heures. C'est là-dedans que je trouve le film assez juste, c'est qu'il ne cherche pas uniquement, comme je disais, à jouer avec l'esthétique du cinéma de Michael Bay et ses gimmicks, mais il cherche également à déconstruire finalement tout ce qui a pu arriver à ses soldats et à quand même garder cette idée qu'ils ont fait quelque chose de bien. Que peut-être c'était dans un instant où ils n'avaient pas leur place à cet endroit-là, mais ils ont quand même essayé de faire quelque chose de bien. Et finalement, c'est ça qu'on a envie de retenir à la fin. C'est pas que ces soldats se sont battus pour rien, c'est que ces soldats, ils se sont battus à un instant T où c'était presque nécessaire finalement. Et c'est ça finalement qui est assez fort. Donc ouais, si vous avez l'occasion de redécouvrir ou de découvrir 13 Hours de Michael Bay, allez-y. Honnêtement, c'est un des meilleurs Michael Bay qui a été fait depuis quasiment 20 ans, parce qu'il ne faut pas vous voiler la face. Michael Bay, il a quand même bien galéré, et je trouve que dernièrement, No Pain No Gain et 13 Hours, c'est vraiment ces deux gros coups d'éclat qui démontrent que c'est quand même un metteur en scène qui sait très très bien construire l'action, si tant est qu'il se calme au niveau du montage. Il s'est calmé au niveau du montage avec 13 Hours. Ainsi s'achève cet épisode 2 de Au coin du Blu-ray. Comme d'habitude, je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et quand vous aurez vu le film, bah, revenez ici et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on va se terminer donc avec cette fameuse petite phrase que j'ai fait la dernière fois, qui n'a pas vraiment de sens, mais que je trouve amusante. Il y a bien plus de bonus dans un Blu-ray que dans un DVD. A plus!